C'est bizarre parce que ça éteint les lumières, mais elles sont encore allumées là. Eh bien, salut à tous, c'est Lespinet, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. On se retrouve sur Planète Nomade. Alors, j'ai vraiment pas mal avancé pendant le 3 et le 4e épisode, donc j'ai donc fait une dada, une petite maison. J'ai fait une petite maison avec les éléments qui étaient disponibles qu'on a débloqués lors du précédent épisode. Donc j'ai fait, bon, rapido, vraiment un mur avec des vitres et un mur avec des portes et un coin. Ensuite j'ai un petit peu upgrade un petit peu l'intérieur à la maison. Bon, j'ai rajouté quelques coffres et grosso modo j'ai déplacé 2-3 éléments pour que tout puisse rentrer dans la petite maison. Alors il y a quelques petits bugs, normalement c'est automatique, mais ici ça veut pas, donc faut le fermer manuellement. Et je pense que vu que les lumières clignotent, il faudrait, quand on ouvre ici là ça clignote, il faudrait à mon avis un deuxième générateur, ça va être à peine limite. D'ailleurs on m'a dit que ce générateur, plus tard, d'où son nom d'ailleurs, il pourra accueillir des éléments biodégradables, je pense. On pourra y mettre peut-être des plantes ou des trucs qui sont disponibles, peut-être les fruitages ou les herbes, ou même peut-être la biomasse, les trucs comme ça, ouais. Parce que pour l'instant, bon, l'énergie, elle vient de on ne sait où. Hein. Elle est produite, mais on ne sait pas d'où ça vient. À terme, les développeurs veulent mettre en fait des éléments à l'intérieur. Bref, on va arrêter de parler. Je n'ai rien construit à part ces éléments sans votre présence. Juste avancer un petit peu hors caméra. J'ai pas mal récolté de minéraux, surtout de l'or, du cobalt, de l'uranium et du titanium. Beaucoup d'iron, parce que pour faire tous ces murs là, il faut à peu près 5-6 stacks d'iron. C'est totalement abusé. Donc c'est complètement ouf. Après, par contre, l'iron, dans les commentaires, on m'a dit qu'on en trouve plutôt pas trop mal dans les. Là, si on creuse un petit peu, on en trouve sous terre. Dès que vous avez un peu la roche qui brille un petit peu, là, enfin, si on creuse un petit peu, peut-être. Si la roche elle brille un petit peu, bon là il n'y en a pas, on va éviter de détruire le décor. Dès qu'il y a la roche qui brille un petit peu, il y a des minéraux. En tout cas, c'est vraiment très très galère à trouver de l'iron quand on ne connaît pas le jeu. Bon, du coup maintenant je connais un petit peu mieux, j'ai pas mal récolté. Maintenant c'est le silicone qui me manque plutôt pas mal. Ah oui, j'ai upgrade aussi l'armure. J'ai mis donc un outil MK2, l'armure, le jetpack MK2 et aussi l'armure, enfin l'exploration MK2. Après, hors caméra, je mettrai un petit peu plus tard donc l'armure MK3, etc., etc. Ce qui est pas mal avec donc la, c'est quoi, le jetpack? Du coup, on peut voler un peu plus haut. Parce que là, si je m'élève un petit peu, on peut monter vraiment beaucoup plus haut qu'avec le MK1 de base. Si on l'enlève, hop, on va vraiment beaucoup moins haut. Et vous le voyez, on est beaucoup moins haut. Et la barre qui est la barre de chargement à gauche que vous voyez qui bouge descend beaucoup plus vite. Donc là, en plus, si on sprint, on peut aller beaucoup plus haut. Voilà. C'est pas trop mal. En plus, avec cet élément-là, ça permet de recharger la barre de chargement du jetpack. Donc si vous êtes en l'air, vous pouvez monter encore plus haut, plus haut, plus haut, toujours plus haut, avec ce truc qui recharge la barre. Voilà, grosso modo. Pour tout ce que j'ai fait AFK. Après, bon, j'ai fait pas mal
de ressources en vous attendant un petit peu. C'est un petit peu mon jeu du moment, donc je tryhard un petit peu le jeu, un petit peu beaucoup, on va dire. Donc là, j'ai mis quelques éléments par là. J'en ai crafté quelques-unes d'avance, on sait jamais, ça peut toujours servir. Hop. Les glaces panels, il y en a besoin beaucoup de ça aussi. Alors aujourd'hui, on va faire... Déjà, on va voir ça. Je vais voir absolument ce que ça fait, la chambre statique. Stasi. On va voir ce que ça donne, ces deux trucs. Hop, tout ça, on les jarcle. Ça me permet de... De voir. Ah, il faut deux basic frames. Hop. On va le mettre en plein milieu et puis hors caméra je le décalerai. Hop. On peut pas la mettre là-bas? Ah, il faut que ça ait une vue sur l'espace peut-être? Je sais pas. Ah oui, je me disais, il y avait un petit bug. MK1. Donc il faut de la platine, du composite et de l'électronique. Platine, électronique. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? La composite. Hop. Voilà, comme ça, ça permet pendant l'épisode d'éviter d'attendre entre deux crafts, quoi. J'en ai pas mal fait d'avance, ça permet d'aller un petit peu plus vite. Switch, ouais, switch. Et ça fait quoi en fait ce truc? Ah, il y a l'icône qui change en haut. Là c'est le A, bon d'accord. Rename, change color. Bon. Switch, ouais, je veux bien switch, mais... Ah, il faut l'électricité peut-être, oui. Switch. Ah, et ça fait quoi en fait? Je sais pas. C'est bizarre parce que ça... Ça éteint les lumières, mais elles sont encore allumées là. C'est bizarre. Ça éteint les lumières, mais ça éteint les néons en fait. Il doit y avoir un problème de physique quelque part. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Ça éteint la luminosité, mais sans éteindre... Sans éteindre physiquement la lumière. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Attendez, on va lire le descriptif. Powerful Beam Generator to mark. Ok, apparemment c'est un générateur d'électricité. Et ça permet de marquer des points d'intérêt sur la base ou en dehors de la marque de la base grâce au compas, ça requiert de l'électricité. D'accord. Ça veut dire qu'on peut le mettre en dehors de la base aussi? Ah oui. Et du coup... On peut le mettre en dehors de la base. Attendez, je comprends pas à quoi ça sert. Attendez, on va le démonter. On va essayer un petit peu plus loin. Hop. 7. Ouais. Aucune idée, en tout cas ça m'a fait une... Ça m'a bien marqué quelque chose sur le GPS. Est-ce que tu crois qu'on peut le connecter aussi loin? Ah non. C'est trop loin, ouais. Mais ça requiert de l'électricité. Bon. Il
On va essayer plus près peut-être. C'est bizarre parce que c'est une énergie en fait. Et pourquoi elle est pas branchée celle-là? J'ai pas dû la brancher, je pense. Ah voilà, ouais, j'ai pas dû brancher les éléments. Ah oui, j'ai dû zapper ça. Parce que évidemment le jeu il crache assez souvent. Là par exemple, voilà. C'était assez limite. En plus, ouais. Des fois ça crache et ça corrompt le monde. C'est assez pénible. Donc, bon, mais ça du coup, on sait toujours pas à ce quoi ça sert. À mon avis, c'est une deuxième source d'énergie. Mais le souci, c'est que celui-là est relié à celui-là. Et en fait, c'est celui-là qui prime. Et celui-là, il sert plus à rien en fait. Parce que si je le coupe, ça éteint tous les générateurs. Et voilà, ça dit que il n'y a plus d'électricité. Bon. C'est bizarre. Parce que non, il devrait avoir deux générateurs et ça passe quoi qu'il arrive par celui-là. C'est juste un relais, ça. Et apparemment, non, c'est... Bon. On verra plus tard. Et ça c'est peut-être un lit, non? Un bed... Ça régénère mon corps. On va la mettre là. Qu'est-ce qu'il manque? Deux basic frames. Ah, j'en ai plus déjà? Mince. Charbon et iron. Et charbon. On va en faire pas 23 mais quelques-uns, 6 ou 7. Donc du coup ouais, ce truc je sais pas à quoi ça sert. Ça permet de marquer des trucs sur le GPS en haut, mais à part ça, ça fait une deuxième source d'énergie. Ouais, mais on a déjà celle-là en fait. Peut-être que celle-là est plus puissante que... Non. Parce qu'à chaque fois les lumières s'éteignent, donc c'est pas plus puissant. Ça fait pas deux sources d'énergie, c'est pas complémentaire en fait. J'ai l'impression que celle-ci remplace celle-ci. C'est un peu chelou. C'est peut-être juste un bug du début. Hein. Parce qu'il y a pas mal d'ajustements qui vont arriver d'ici mai apparemment. Le jeu est pas tout à fait au point. Alors, il me faut glace panel et mécanique part. Ça j'ai, et glace panel aussi. Enfin, glace panel. Ok. Ah, c'est joli, tiens. En fait, on voit les étoiles, d'accord. Ah oui, d'accord, ouais, c'est un lit, en fait. Disconnected. Donc faut encore de l'énergie. Ah, je crois qu'il y a vraiment plus de... C'est plus assez puissant. C'est quoi ça? What the fuck? C'est quoi ça? Il y a un reflet dans la lumière là, dans le miroir? Bizarre, vous avez vu? Ah, c'est dingue! C'est pas ma lampe torche hein. Bizarre. On va le disconnect et on va le brancher qu'à lui. Et celui-là, on va le disconnected. Ah, et ça, on peut pas connecter des éléments dessus. Pas à quoi ça sert ce truc. Ça, on peut pas connecter des éléments, il n'y a que ça où on peut connecter. Bon, on va en faire un deuxième, on va pas se casser les dents 3 minutes non plus. On peut le mettre au-dessus. Ouais. Hop. Bon, je repositionnerai plus tard. Il faut d'autres basic frames.
On va en faire les 9. Je sais pas pourquoi il faut de l'électricité si on peut déjà rentrer là comme ça. C'est un peu chelou là. On est vraiment allongé en fait. Bon. Hop. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui. Ça. Ah, mais il est déjà. Ok. Connected. Ah, on fait clic droit, d'accord, pour se retirer du truc. Je savais pas. Pourquoi? Ah non, là c'est connecté à la lumière, d'accord. Ok, get in. Ah ouais. Ah oui, d'accord, c'est comme le... non, c'est pas cet appareil, il est où l'autre? Il est où? Pas celui-là? Là, voilà. C'est comme ce truc-là. Mais sauf que c'est un lit qu'on a crafté en fait. C'est comme cette chambre. Sauf que là, c'est un lit qu'on a crafté. Et là, je fais clic et on peut accélérer le temps. Et on voit même le temps passer. Oh, c'est joli. Waouh. Bon, par contre, là, on a. À part les étoiles qui bougent vite, on ne sait pas si le temps accélère plus vite que d'habitude, quoi. Bon, après, on le voit au niveau de visuellement. Et bon, si tu regardes tes pieds, on le voit pas vraiment. Il faudrait peut-être une animation comme dans la chambre de la cellule qui est, je sais pas, on la voit pas d'ici. Ah si, elle est là. En tout cas, ouais, effectivement, il manque d'énergie très très légèrement. Bon, je verrai ça hors caméra. Qu'est-ce que je compacte? Ah oui, je voulais faire ça aussi. Ça permet de créer des médicaments. On va la mettre. Ah, mais là, ça gâche la vue, là. On va la mettre ici. Il manque des basic frames encore. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme élément? Electronic part. C'est le 1 ou le 2? C'est le 1. Ok. On en fait quelques-uns encore. Il nous faut des. Qu'est-ce qu'on a dit? Des electronic parts. Alors, il nous faut du silicone encore. J'en ai plus du silicone, mais c'est vrai que ça part assez vite le silicone. On en fait 5. Hop. Ah merde. J'ai fait des platines et je voulais faire des basiques. Oh fuck. Bon, ça te servira, mais. Ouais, parce qu'à chaque fois que tu quittes et tu reviens, ça, par défaut, ça revient sur les MKM. C'est. Ça devrait sauvegarder le. L'élément qu'on a sélectionné en fin de compte. Du coup, là, on est obligé un petit peu d'attendre. J'ai pas fait assez de ressources. What? Attends, j'ai pas fait la bonne? Electronic part. Eh bien. Ah non, c'est le deuxième. Oh fuck! Ah oui, on le voit en deux. En tout petit. Ah, j'ai pas assez de. J'en aurais presque plus là. De silicone. Du silver. Bon, on en fait 5. Alors, silicone. Basic frame. Mechanical part. Hop, ça, on met ça là. Ah oui, ça met combien de temps? Ah, 20 secondes, ouais. On a le temps de chanter 3 fois. Ah mais il me fallait, oui, je suis bête. Il faut que je garde tout. Platine. Composite. Mécanil. Électronique.
Après, qu'est-ce qu'on se fait après? C'est bizarre parce que la chambre de stase aurait dû nous débloquer d'autres trucs là. L'armoire compacte. On l'a pas faite l'armoire compacte? Si, compacte armory. Si, si, on l'a faite. C'est bizarre, ça nous a rien débloqué là par contre. Ça on a fait, ça on a fait, ça on a. On est en train de faire. Ah, c'est peut-être ça qui va nous débloquer des trucs. Après, on fera ça. Large container. Ah, c'est pour remplacer ces trucs peut-être. Petit container, ouais. Hop, allez, c'est parti. Ah, ça c'est pas mal. Ça régène la vie. Ça c'est bien. Ah, parce que des fois, quand on contrôle les monstres, c'est vraiment très très limite. Alors vous me dites si vous voulez des combats avec les monstres. Pour l'instant, j'essaie de d'avancer le plus vite possible pour faire la voiture. Attends, ça fait. Attends, ça fait plus 50 de vie. Ah oui, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il faut comme ressources? Il faut des glace panels encore. Des électroliques, quoi? C'est où qu'on trouve ça là? What the fuck, il faut faire ça, puis ça, pour faire une seringue. Plus des glace panel là, plus de l'herbe. C'est pas gagné. Il y a plein de trucs plus simples. Ça c'est pour le froid, j'imagine. Ça fait plus 50 de. Bon, on s'en fout de ça. Et. Ah oui, ça fait un peu de vie ça. Ça fait plus 10, mais moins 5 de cardiaque. De stamina. Ça c'est un petit peu plus facile, il faut que de l'herbe. Que de l'herbe et des fabriques MK1, mais les fabriques MK1 à chaque fois. Et là ça fait. Il n'y a que ça qui est un petit peu plus facile peut-être, plutôt que ça. Là, il faut faire que du MK1 et le MK1. Il faut de l'iron et du charbon. Bon, là, ça se trouve assez facilement, c'est plus facile de faire ça, je ferai des trucs comme ça plutôt. Par contre, ça nous a rien débloqué. Tristi. Ouais, alors hop. Par contre, on voit rien, c'est tout blanc, c'est dégueulasse. Ça. Et ok, voilà, on a remonté un petit peu. C'est dégueulasse, je changerai hors caméra l'emplacement, ou j'agrandirai même. Les lumières qui sautent aussi, c'est terrible. C'est bizarre, ça nous a rien débloqué. Alors peut-être il faut faire le. Alors là, on a tout fait. J'ai tout fait, tout fait. Il manque plus que ça. En espérant que ça nous débloque des trucs parce que sinon on n'est pas. Oh putain! What the fuck? Large container, ouais, c'est plus que large là, c'est giant. Là, le truc de malade! What? Je suis tombé dans un trou. On n'est pas bien là. Ouh, on n'est pas bien là. Ouh là là, la base, il faut l'agrandir 20 fois. Donc, il nous faut 4 réinforcés de frame. Par contre, j'ai les FPS qui chutent, ça me stresse un petit peu. Aluminium et titanium. Ah, c'est là qu'on commence à utiliser les fameux titanium. Et ouais, du coup, je vous ai pas dit, mais ça m'a agrandi un peu l'inventaire. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Et aluminium. Il nous en fallait 4, je crois. On peut en faire que 3 MDR. Qu'est-ce qui nous manque? Ça va être l'iron, je pense, qui nous manque. Ça a la même couleur, le silver et l'iron en plus. Une minute. Bon, mais on se retrouve d'ici une minute, hein. Ce sera beaucoup plus simple. Et ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas reboucher les trous par contre. Je vais récolter un peu de non purifié d'eau. Allez, à tout de suite. Bien, on va voir si ça nous débloque des petites choses. Hop, voilà. J'ai vu aussi qu'on arrive bientôt au terme de l'épisode. Le temps passe à une vitesse foudroyante. Je pense que je vous mettrai ça ce week-end. Parce que l'épisode fait 25 minutes déjà, je ne sais pas du tout si vous allez arriver jusqu'au bout. Déjà au bout de 20 minutes, ça vous saoule. Alors en plus, si je tarde encore plus, ça va être assez long à regarder.
D'ailleurs, je pense que je vous mettrai, il va y avoir masse d'épisodes ce week-end. Deux épisodes vendredi de plusieurs séries, deux samedi et deux dimanche aussi. Parce que là, le temps passe à une vitesse foudroyante en ce moment. J'aime bien ce jeu, donc j'y joue plutôt pas trop mal. Je récolte les ressources et on se retrouve pour voir si ça débloque autre chose. A tout de suite. Ok, bon, j'ai toutes les ressources. Allez, on y va, on va voir si ça débloque des éléments suivants. Ah ouais, unlocked convoyeur et machin, ça s'affiche trop rapidement. Waouh! On regarde vite fait ce qu'on a. Convoyeur. Convoyeur, c'est pour envoyer des éléments dans le... Dans un convoyeur, non, j'imagine? Ce qui est bizarre, c'est que ça nous rajoute... Le convoyeur, ça nous a rajouté des trucs entre les deux lignes. Parce qu'avant ça, on n'avait pas le convoyeur. Uranium generator. What the fuck? Le générateur à coup d'uranium, con. Ça va être une centrale nucléaire bientôt. Par contre, je voudrais bien débloquer les escaliers et tout ça. Bon, on verra ça lors du prochain épisode. Sinon, ça passe trop vite, hein, quand t'aimes bien. Le jeu, ça passe trop vite. La taille du container, 60. Parce que là, j'en avais fait 4. Hein. 12 et 12, 24, et 24, et 24, 48. Ouais, ça fait à peu près 5. Ça fait 5 petits containers. Ouais, c'est assez énorme quand même. Ouh. Mais la taille quand même, ça n'a rien à voir. Regardez-moi ce truc. Là, ça fait presque la base entière, alors que t'en rajoutes même 5 de plus, ou même 4. Ça prend presque aucune place. Je préfère faire... 12 petits trucs comme ça plutôt qu'un seul, ça prend trop de place. Mais regardez-moi cet engin, con. On se croirait sur des comment ça s'appelle, sur les ports là où il y a plein de gros trucs en aluminium là sur les ports de marchandises. C'est totalement ouf, c'est trop gros par rapport à ces petits coffres. En plus, ça fait 12, il suffit d'en mettre au pire. Après, ça prend de la place. C'est vrai que au moins là, dans l'inventaire, t'as tout direct au lieu de chercher midi à 14h. Bon, on verra ça un petit peu plus tard. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. On se retrouve pour le prochain épisode. Sur ce, c'était Les Spinny. Bonne semaine, bon week-end. Ciao, ciao.